Nobody can tell me that God is not patient. Cause girl with you, he took his time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va top, ça va merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc c'est le premier haul sur ma chaîne, félicitez-moi. Du coup, là ce sera un haul Shein, un haul H&M et un haul New Yorker. Donc sans plus tarder, on passe au premier article en fait. Donc là, on commence par un haut blanc. Donc celui-là, je ne vais pas l'essayer parce que je suis maquillée, du coup j'ai peur de le salir. Je vous mettrai la photo du mannequin. Donc c'est un petit haut blanc comme ça, un peu col roulé, excusez-moi, avec un petit truc sur le côté comme ça, que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, premier article. Deuxième article, on continue avec un jean. Donc celui-là, grosse déception. Parce qu'en fait, il est archi grand. Il est archi grand, mais il est trop beau. En fait, je l'ai pris côté homme. Mais je suis trop dégoûtée. Du coup, il faut que je fasse des modifications. Il est magnifique, genre. Dans tous les cas, je vais vous montrer la vidéo. Je sais pas si je vais la mettre là ou là. Mais trop beau, genre. Donc, le troisième article, c'est un pantalon. Celui-là, coup de cœur. Et la mif, quand je vous dis, il est trop beau, genre. Il est trop beau, là. Genre, il est comme ça. Ah, il est trop beau. Genre côté homme, hein, toujours. Tous les jeans que j'ai pris, je les ai pris côté homme. T-shirt, j'ai pris côté homme. Il y a quelques t-shirts, j'ai pris côté femme, comme le premier article. Mais celui-là, pépite en fait. Pépite. Du coup, trop beau. Dans tous les cas, je vous mettrai les références. On est encore sur un jean, celui-là aussi. Pépite. En fait, avec moi, il n'y a que des pépites en fait. Trop beau. Regardez-moi ça. Genre, c'est un jean un peu délavé, un peu jaune. Avec des détails comme ça, mais il est magnifique, genre. Côté homme, toujours, je vous mettrai la référence, pardon. Mais il est trop beau. Il y a aussi des détails derrière. Il est magnifique, genre. Il est magnifique. Quand je vais taper mes photos, là. Quand je vais taper mes photos sur Instagram, vous avez intérêt à liker. Si vous ne likez pas, je vais venir en bas de chez vous. Je vais sonner. Je vais toquer, je vais casser la porte. Je vais prendre vos téléphones, je vais liker moi-même. Non, je rigole. Mais en tout cas, il est trop beau, genre. Du coup, là, on passe à un jogging. Donc, il est comme ça. En tous les cas, vous aurez la vidéo. Lui aussi, il est beau, mais il est un peu sauté. J'ai oublié de vous dire, le jean de tout à l'heure aussi, il était un peu... Pas sauté, mais il est pas très long en bas. C'est-à-dire que je le baisse un peu. Mais sinon, les deux pépites. Lui, il a une petite fente comme ça sur le côté. Trop beau, genre. Trop beau. Donc là, on passe sur un top chemise, un peu, de façon. Eh, coup de cœur. Genre, coup de cœur. Eh, j'ai trop kiffé. Parce que habituellement, je mets pas trop ce genre de truc, mais... kiffé en plus vert en ce moment, enfin depuis l'année dernière, je sais pas ce que j'ai avec le vert, mais magnificos, genre magnifique, genre j'ai pas les mots, genre trop mimi. Du coup, ça tu l'accessoirises bien avec un jean, un pantalon à pince et c'est tellement beau. Pardon. Donc là, on part sur un t-shirt que j'ai pris côté homme, je l'ai trouvé trop mimi, genre il n'y a rien derrière, mais il est trop beau. Donc je l'essaye pas parce que je suis maquillée, j'ai peur de le salir. Mais trop beau, genre. Avec un beau petit jean et tout. Franchement, je le vois bien avec un des jeans que j'ai acheté. Mais il est trop mimi. La matière, par contre, comment dire, elle est bien, mais elle est légère. Je sais pas comment dire. Mais bon, très beau t-shirt. Donc là, on passe à un autre t-shirt que j'ai pris côté homme. Celui-là aussi, j'ai bien kiffé. Bien oversize et tout, comme on aime. Et celui-là, la matière, elle est un peu plus lourde que l'autre. Mais franchement, top du top, hein. Top du top. J'ai trop aimé. Noir, simple. Trop beau. Donc là, on part sur deux basiques de chez Shein. Donc c'est des... Vous voyez les petits t-shirts façon... comment dire, maillot de bain, façon là. Donc là, j'en ai pris un de cette couleur-là. Et j'en ai pris un en blanc cassé, beige, je sais pas. En tout cas, ils sont bien. Je trouve qu'ils sont pas très croc-top. Pardon. Et ça, j'aime bien. Parce que j'essaye de limiter les croc-top. Parce que voilà, on vieillit. En plus, je suis chrétienne. Laisser son ventre à l'air comme ça. Voilà. J'essaye vraiment de doser. Même si c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Donc voilà des basiques. Hein. J'en ai un en noir. J'en ai un en gris. Du coup, là, ça m'en fait 4 au total. Ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Du coup, là, on passe au dernier article. Donc là, on part sur une petite chemise un peu croque-top. Coup de cœur, en fait. Coup de cœur. En fait, j'ai trop de coup de cœur dans cette commande. Mais j'ai trop kiffé, genre, les poches devant et tout. Je trouve ça trop beau. Du coup, voilà. En tous les cas, vous avez la vidéo. Mais franchement, foncez.
foncez, elle est trop belle, elle est trop trop belle. Donc là c'est la fin pour les vêtements Shein. On va passer aux vêtements de chez H&M et de chez New Yorker. Donc chez H&M, j'ai penché pour un petit jean. Je suis fatiguée. Un pantalon à pinces. Il est trop beau. Genre j'ai trop kiffé, il taille bien. Genre il taille bien, genre. Genre il est propre dans la taille. Non, j'ai trop kiffé, il est trop beau. Du coup en plus il est bien long et tout. Genre trop trop beau. Du coup il m'a coûté 14,99€. Ah oui, je vous mettrai les prix. 14,99€, franchement ça valait le coup. Et puis voilà, il est trop trop beau, genre foncez, allez l'acheter. Je sais pas si je trouverai la ref, mais si je trouve la ref, je vous la mets dans tous les cas. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai pris un petit top comme ça. Il est trop mignon, genre. Vous voyez les petits tops un peu, voilà. En plus, moi comme j'ai pas trop de poitrine, je trouve que ça va, ça fait pas trop plat, genre ça prend quand même un peu. Il est trop mignon. Donc voilà, il m'a coûté 7,99€, je crois. Ouais, 7,99€, et franchement, ça valait le coup. Il est trop trop mignon. Donc chez H&M... La mif, chez H&M, je suis tombée sur ses talons. Eh, quand je les ai vus, j'ai dit je les prends. Et en plus, le prix, 5,99€. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Donc là, j'attends juste que voilà, j'aille au resto et tout, que je me fasse bien belle et tout. Je les dégaine. Elles sont trop belles, genre. Regardez juste la couleur. Non, elles sont trop belles. Elles sont trop, trop, trop belles. Du coup, là, c'est la fin des vêtements H&M. On va passer à ceux de chez New Yorker. Donc, chez New Yorker, j'ai pris ce petit pantalon en cuir, semi-cuir, je sais pas si c'est en quoi. Mais voilà, et il est trop mignon, genre. Genre là, il y a une petite étirette. Fermeture éclair. Alors, on va dire, ah, non, c'est pas français, les Congolais et tout. Fermeture éclair. Et en bas, il est un peu pas de def comme ça. Mais il est trop beau, genre. En plus, il prend bien la taille et tout. Et lui, il m'a coûté genre 4,99€. Il était soldé. Dans tous les cas, New Yorker, il a tout le temps des soldes. Mais il est trop beau. On est désolé. Est-ce qu'on est désolé? Je suis désolée. Oui, il est trop beau. Je suis désolée, il est trop beau jusqu'à... Il me fait bégayer, il me fait... Il est trop beau, je suis désolée, il est trop beau. Et après, j'ai pris un petit haut aussi. Donc celui-là, en fait, comme moi, j'ai cru que j'avais le corps d'une poupée Barbie, je suis partie le prendre en XXS. Là, je ne l'ai pas mis aussi parce que façon dont il me serre le corps, c'est limite, je ne peux plus respirer. Mais je vais le mettre. Hein. Du coup, voilà, lui, il m'a coûté 7,99€. Donc c'est un petit top gris comme ça, avec un grand col. Mais franchement, il est pas mal. Et du coup, voilà, c'est le dernier article de chez New Yorker, j'en ai pris que deux. Et j'avais pris des claquettes aussi. Non, je suis une ouf. Ouais, j'ai pris des claquettes. J'ai oublié les claquettes. Attendez, je vous les montre. Donc, j'allais oublier mes claquettes, mes jolies claquettes. Donc, elles se présentent comme ça. Donc, celles-là, je les ai payées aussi 4,99€. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. Je les ai pris en taille 40. Trop, trop belles, rien à dire. En plus, elles sont archi confortables. Elles font pas mal aux pieds. Donc, franchement, c'est le top du top. Et j'avais oublié aussi. Vous voyez, ma tête là, elle est ailleurs. J'avais pris des cils et de la colle. Parce qu'en fait, je voulais me faire des extensions de cils chez Shein. Du coup, j'ai pris ça. Et j'ai acheté ça. En fait, la colle, c'est pas une colle sèche. C'est une colle qui colle, quoi. Enfin, elle est pâteuse, de toute façon. Du coup, bah, c'est pas la bonne colle adéquate pour faire mes cils. Mais dans tous les cas, dès que je les ferai... Je ferai soit un TikTok ou soit je mettrai sur Snap ou Insta. Mais j'ai tellement hâte de les faire, genre. J'ai tellement hâte. Et ouais, du coup, c'est fourni. Les cils sont fournis avec des goupillons et des petites bagues comme ça, là, pour mettre la colle. Du coup, voilà. Et j'avais pris des grills. En fait, moi, je sais pas si vous savez, mais j'ai des petites dents. Mes dents, elles sont rikiki. Et je suis partie prendre des grandes grills là. Attendez, je vais vous montrer. Bien évidemment, ça ne rentre pas. Enfin, ça tombe, quoi. Je suis trop dégoûtée, genre, je voulais trop... Voilà, quoi. Je voulais flex avec, mais... ça va pas être le cas, en fait. Ça va pas être possible. Du coup, elle ressemblait à ça. Mais du coup, je suis dégoûtée. C'est beaucoup trop grand, genre. C'est beaucoup trop grand. Du coup, je pense qu'il faut que j'aille en faire sur mesure. Mais je suis dégue, en fait. Moi, j'ai vu Grills, moins de 1€. J'ai dit, je fonce, mais pourtant on m'avait prévenu, hein. On m'a dit, celles-ci tes dents sont petites, ça va pas t'aller et tout. Moi, comme je suis têtue, je suis trop bornée, j'ai dit non, je vais prendre. Et voilà, du coup ça me va pas, je sais même pas ce que je vais en faire avec, mais du coup voilà.
Du coup, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce et à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant de mes vidéos qui vont venir. Je vous laisse vous abonner sur mes réseaux sociaux. Et oui aussi, avant de partir comme ça, je vous ai dit, j'ai ouvert mon compte Insta CBI Factory pour custom vos jeans, custom vos jupes, vos chaussures, vos vestes. Eh, venez chez CBI Factory, prenez commande, je suis là, je vous attends. Vous attendez quoi en fait? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Dans tous les cas, je vais vous mettre mon compte Instagram ici. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez CBI Factory et à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, donc qui est une Chelsea sur Snap, Insta, TikTok, etc. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous. Que le Seigneur vous protège. Mouah, bye!